Oh, qu'est-ce que c'est? Vous avez trouvé un fragment de la crête. Son essence vous accorde un niveau de charge d'arc plus élevé. J'ai pas compris. C'est pas grave. Salut tout le monde, je suis Ina, la seule et l'unique. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un sixième... Tire-toi ! Épisode de Momodora. Où on a donc le fragment de la crête, fragment de la crête, objet clé. Fraction d'un emblème représentant le... 1, 2. Fraction d'un emblème représentant le présent régime cartien. Quatre parties de cette crête sont nécessaires pour accéder au quartier menant au portail du château. D'accord. Alors, c'est ici, je crois, juste au niveau de la cloche, qu'on a besoin de... du truc de la crête. Et on en a un fragment. Bah retournons à l'église. C'était pas un passage? C'était pas un passage. Non, j'ai dit! Bouda. Ah, maxi puissance! Ah, j'ai fait une rafale de flèches, je crois. Retestons, parce que... Ouais, c'est ça. Ah! S'il vous plaît. Merci. Vous allez... périr! S'il vous plaît. Bon. Voilà. On y arrive. Non. Non, j'ai juste pas envie de m'occuper de vous. Descendons. Posons-nous. Voilà. Phew. Je suis fatigué. Je ressors tout juste du précédent enregistrement. J'ai enchaîné. Donc, voilà. J'ai douillé. Mais c'est pas grave. Saint Esselin est le dieu absolu, son souhait nous guide tous. Vous êtes en sécurité en ce lieu parmi nous. Ouais! Tant que vous essayez pas de me tuer, je veux bien. Nous ne représentons plus qu'une minorité maintenant que sa majesté a propagé sa destruction. La majorité de la population a perdu foi en l'église. Elle est la source de tous les maux que nous subissons. Toi! S'il te plaît, allume une cierge en mon nom. Oui, s'il te plaît! J'ai tué votre... votre confesseuse. Tenez. C'est... Toi, tu... Je... Mec, faut que je te dise un truc. Blablabla. Ma maîtresse pourrait peut-être vous guider dans votre vie. Elle vit au sein du monastère de toi et de Phil. Ah non, elle parle de l'autre, la sorcière. D'accord. On n'est pas trop paumé, tout va bien. Bonjour madame. Je ne fais que passer. J'ai envie. Je ne voudrais pas blablabla. Je vous offrirai blablabla. Mais j'en ai un con... J'en étais sûr. C'est pas grave. Non, mais c'est juste à côté. Je vous retrouve pas tout de suite. Que dalle. N'oublions pas d'allumer un cierge à notre salut. Bonjour, madame. Vas-y. Si avec ça, notre âme n'est pas sauvée, je comprends pas. Je sais pas. Bon. Où est-ce qu'on voulait aller? Tout en bas, hein. Tout en bas, ça me semble l'endroit le plus sain auquel accéder. Ah oui, c'est un ascenseur. Non, non, je ne suis plus là, voilà.
Ah, c'est bon, on est arrivé. Gauche, enfin, en bas, en bas. Tire-toi de mon chemin! Oh merde! Tirez-vous de mon chemin, statue! Qu'est-ce que quoi? Mais j'ai exactement... Ok, ça ne peut pas être utilisé en plein saut. J'avais oublié ce détail. Et là... Lap! D'accord. Mais... Oh bah salut! Comment puis-je vous aider? Oh, une perle terne! Vos flèches produisent un nœud. Bah, je l'ai pas. Mais je crie quand même au scandale parce que j'ai déjà quelque chose qui fait ça au mieux. Lisons quand même la description parce que bon. Une perle sculptée de manière à ressembler à une gemme rare appartenant à un démon. Ah, je vois. C'est peut-être la même chose mais en moins puissant. Si vous me dites qu'il y a un boss, je vais pas être d'accord. Je suis pas... Toi encore? C'est ça, fous-toi de ma gueule! Éclat de lucidité. Non, c'est pas ça. Graine cristalline, c'est ça. Là! Bouffe! Bouffe! On découvre un petit peu, mais ces patterns n'ont pas l'air différents d'avant. Ces panthères n'ont pas l'air très différents d'avant, donc ça ne devrait pas trop poser de problème de l'affronter. Allez, viens m'affronter si t'es une sorcière indigne de ce nom, Lubella. Arrête de te moquer. Voilà, fond. Fonce. Sans poison dans tes veines! Dans ta projection, parce que je crois que c'est une projection! Tac! Ah. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on empoisonne! Urgh! Bon, là il faut pas se foirer dans le timing. C'est bon! Voilà! Non! 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 Non, 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 non! Je crois qu'elle n'est pas contente. Mais quoi? Quoi? Mais que quoi? Ah! C'était scénarisé! Ah! Quoi? Miaou! Miaou! Je suis devenu un chat! Branche arrachée obtenue. Qu'est-ce que... Déjà, reprenons notre anneau de la candeur. Ensuite, regardons la branche... Restaurée. Restant un peu... Branche arrachée. Restant un peu de votre santé quand vous tuez un ennemi. Le parc Blanchefeuille, affecté par la sorcellerie de la reine, fut entièrement déplacé dans le fond de la... Quoi? Attends, ils ont déplacé un parc? Genre comment? Avec des grues? Ah. Il était infesté d'esprits et de démons d'outre-monde, comme la sorcière immortelle Lubella. Ou alors, plus probablement, par avec de la magie en vrai. Je suis un chat! Je suis un chat! Miaou! Et je peux pas utiliser mes objets sous cette forme. Ça paraît logique. Miaou. Je suis un chat. Ah. Qu'est-ce qui se cache ici? Je te vois. Un insecte d'ivoire.
Miaou. Qu'est-ce que... Un autre insecte d'ivoire. Miaou. Méchant. Méchant statue. Ok, j'ai toujours les passifs. Heureusement, j'ai toujours les passifs. On est où? Oh. Oh. Non. Toujours pas. Mais à plus fort que toi. Par contre, j'arrive pas à voir. Est-ce qu'il y avait un passage? Non. Par contre, on peut passer par en dessous maintenant. Et ça, c'est trop bien! Saloperie! Méchant statue! Voilà, je me fais les griffes sur toi pour la peine. À moi le... Orbe félin obtenu. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Vous fait alterner entre vos formes félines et humaines. Un objet enchanté par la sorcellerie inconnue ressemble à une sphère en verre ordinaire. Oh, trop bien! Pardon. Je vais passer le reste du jeu comme ça, je vous préviens. Ah merde! Miaou! Je suis trop adorable! Miaou! Oh, c'est adorable. J'ai un milliard de zones qui s'offrent à moi maintenant. Vous savez quoi? On va retourner au début. Non? Pourquoi l'eau elle est jaune ici? On va tout de suite s'occuper des zones qu'on n'a pas pu explorer plus tôt. Quoique... Non. Non. Je ferai ça probablement en off. On va retourner là où on a triomphé. Non mais oh, je n'accepterai pas d'autre terme que le triomphe. Oui. Nya. Mia. Non mais oh. Vous êtes des insectes, vous espérez faire quoi face à un chat? Allez, blablabla. Miaou. Ah, je saute plus haut aussi en chat. Non, je peux pas l'utiliser en plein saut, donc tout va bien. Oui, miaou, miaou, je suis une chatte heureuse. Bonjour. Aïe. Est-ce que je suis sur le bon chemin ou faut aller ailleurs? Là, faut aller en bas. Mia. Ah bon, quand même. Fallait s'en douter, fallait s'en douter. Miaou. Ah c'est bien, elle a remis le sol en place. Croyez que ça passe? Miaou! Aïe! Ça passait pas. Ça passait pas du tout. Mais c'est même pas un cul-de-sac en soi. Voilà. Je suis un chat. Là, on récupère des choses. Campanile obtenue. Mia. Ça vaut le coup de le dire. Mia.
Oui, mais donc, je ne sais pas du tout où je dois aller. Là, il y a d'autres zones qui s'offrent à moi en bas. Ah non, je peux pas. Bon, bah, il faut que je fasse le tour. Ça va, le tour, ça va vite à faire. Oh, je suis trop adorable en chat, n'empêche. Ça m'ennuie, je sais pas où est ce passage secret. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un passage. Non, 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 non. Non, 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 non. Parfait. Chia! Miaou! Miaou! Roar! Faux chat! Ouais, si. Toujours sur la bonne route, tout va bien. Oh, mais regardez-moi cette animation. Il y a un ennemi. Je me demandais pourquoi j'étais arrêté, c'est parce qu'il y avait un ennemi. Cette animation de course, les oreilles rabattues. Trop choupi. Oui. Tu me dis que là, il y a... Je veux bien que tu me dises qu'il y a un passage, mais j'aimerais bien que tu me dises où, au juste, parce que... Oh. Oh. Encore une oust. Ah, mon gâteau. Parle-moi. Ah, mon gâteau. Bon. Je ne sais pas. On va pouvoir aller récupérer plein de trucs dont j'ignorais. On va... Ah, allez! On va explorer un petit peu avec vous. Par contre, il faut que je remonte. Voir si on peut libérer aussi le deuxième prisonnier. Je sais pas si vous vous souvenez. Par contre, j'aimerais bien qu'on m'explique comment je me suis transformé en... D'accord, je sais ce que je vais aller faire après. Je vais aller voir la Miss Chat. Voir ce qu'elle pourra me dire. Si elle peut me dire des choses. Je couine comme une peluche, au secours! Allez! Miaou! Miaou! On est où? C'est par où? C'est tout droit. Tout droit à droite. Ah! Je me suis précipité sans réfléchir. Heureusement, ça s'est bien passé. Miaou! J'arrive à votre secours! Un insecte d'ivoire. Ah merde, il est mort! Ah! Bon, bah, on n'a pas pu le sauver. Tant pis. Eh bien. Direction méga loin. Pour retrouver la dame chat. La femme au chat. La sorcière chat. Parfait. Je sais pas. Des fois qu'elle nous apprendrait des choses. Parce que je dois reconnaître que je suis intrigué et que j'ai pas envie de finir cet épisode dans le doute pareil, dans l'incompréhension. Quoique ça ferait un super cliffhanger, hein, mais...
Ah non. Trop tôt, je pense. Miaou. Là. Parfait. Ouais, c'est par là. Et après, il y a une gros machin à monter. C'est pas des vrais chats. Garde de mon chemin. Bien, 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 bien. T'es pas un vrai chat. C'est ça qu'il faut grimper. Ah non, il y a un ascenseur. Je suis un chat. Je suis qu'un pauvre petit chat. Soyez clément. Bah tiens, on va pouvoir faire un arrêt lapino aussi. Je me demande si elle a des... Si elle a... est-ce que je suis au bon endroit? Je crois que oui. Je suis pas du tout au bon endroit. Bon. C'est pas grave. Oh non, faut tous retaper. Mais écoutez, je vous retrouve quand je serai à la sorcière. Je... Qu'est-ce que... bonjour. Sous la protection sacrée de notre Seigneur, prions ensemble pour les âmes de ceux qui nous ont quittés, ainsi que pour ceux qui se sont laissés emporter par les ténèbres. Je vous en prie, mon Seigneur, ayez pitié de l'âme de ma pauvre sœur, afin qu'elle puisse reposer en paix. Oh, oh c'est triste. Mais on n'a pas que ça à faire. Bien. Est-ce que tu aurais quelque chose à m'apprendre, très cher? Cette zone de blablabla. Peut-être zone de blablabla. Elle m'apprend que pouille. Quel adorable petit chat vous faites. Oui. Oh non, mais non, mais non. J'aurais bien voulu plus d'explications. Il y a un mur chat à gauche, à droite. Chaton à droite. Ah bon. Bon bah écoutez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ah, je suis tellement adorable. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye les gens.